contre un Fekam. Fekam. Et R, il est pas retrait lui. C'est souvent R hein, quand même. Oh, ça rend forte. Hein. Oh, j'y ai cru. Je ne sais pas, Irakon. En vrai, il pourrait réussir à mettre l'ébène. Ah, il n'a pas d'ébène. Ouh, c'est déjà moins impressionnant s'il n'a pas d'ébène. J'aurais dû m'exposer en vrai, pour lui mettre rapidement le mien. On a KB qui se proposait possiblement Ignark, mais c'est si on trouvait personne, donc j'imagine qu'il a pas trop envie de faire un Elisael. Et... ça fait mon affaire, ça, dis donc. Que ça se fait. Ah, c'est à cause de ça que j'ai pas réussi à mettre mon ébène. T'as considéré que je tapais l'égide. Ok, donc il faut savoir que quand il y a une égide, c'est au mêlée de l'égide que je dois être. Ah ouais, là, je savais pas ça. Illizel, c'est un donjon assez relou, ouais. Ah, il faut pas être d'Ocrite, par contre, hein, pour venir en Illizel. Hein. Attention, hein, ce n'est pas avec vos stuff d'Ocrite. Hein. Il est capable de me faire des vrais dégâts ou pas? Bah. Ouais, il faut pas un mode crit, quoi. Sur Temporis Zatopia, on avait réussi à le faire en full de crit, mais c'est parce que c'était très cringe les dégâts. C'était abusé. Bon, le monsieur tape bien. Oh bah il est gentil. Il doit jouer Téléglyph, je pense. Visiblement, non. Remplace le tutu par un veilleur pour Uli. Besoin du veilleur, tu penses? J'ai jamais fait avec moi. Généralement, on T1. On T1 Illizel, et puis voilà, quoi, basta. Ah, le retrait PA. Ah, bah oui, il a Égide, my bad, Jogaba. Il a Égide T1, donc oui, non. Donc je pourrais pas lui mettre des bends ce coup-ci. Par contre, on peut rusher suffisamment pour faire ceci, ceci, ok. Si je lui mets un coup comme ça. Est-ce qu'il joue en Dokoko lui? Ouais, il joue en Dokoko. Donc c'est pas encore le tour du Dokoko, mais. On va faire ça. Ça.
Et donc, ceci. Pas grand chose. Juste à le faire traiter de mon shield et de ma vita, je pense. Contre un FK, généralement, vraiment la pre-tech pas intéressant, quoi. Là, faut juste que je fasse gaffe parce qu'à la fin de ce tour, si je l'ai pas nécro. Si je l'ai pas. Ça y est, j'ai fait Solar, je peux Necronix les gens. Si je l'ai pas Hécatombe, il va prendre un Dogoko full. Donc là, ça va taper distance. On va faire du coup comme ça. Ah, c'est forcément que du distance. Donc lui, il s'est soigné que 224. Merci Hécatombe. Pour une fois que je connais une variante, je profite pour faire mon intéressant. Profite, profite. Marteau de... Ah bah oui. Pourquoi il joue distance? En vrai. Deux, cinq. Je vais le faire contourner l'épée. Du coup, s'il vient comme ça, j'ai juste à le faire comme ça. Si on... J'aurai une zone et 4. C'est 4, 7, 4, 7, 10, c'est ça? C'est plus le Dokoko, c'est 4, 7, 10. Ok, je suis encore long, je suis encore bien. Au niveau de son ivoire, on est dans 4 attaques. Donc ça veut dire que je peux continuer à lui faire ça. T'as une team depuis peu, Youfin, et tu n'as jamais fait Elisel? Tu dis ça pourquoi? Parce que t'as besoin de conseils? Mais ouais, sinon, KB, ça va être compliqué. Hein, Elisel avec un Docrit, autant y aller avec un Multiman. Hein. Non, j'exagère quand même, mais elle a quand même 150 ou 200 de récrit. Ça veut dire que tu risques de faire les mêmes dégâts que si tu critais pas, en fait. Ah, t'arrives au MP alors que je suis en combat. C'est étonnant. C'est pas censé être possible. Ça cycle mal hein, depuis tout à l'heure. Hein. Et get Dokoko nerfed. Bah en fait avant on pouvait pas recevoir de MP si on était en colis 1v1 je crois. Hein. Vous en... Vous êtes pas d'accord? Enfin je crois bien. Le combat sera long parce qu'il se tanque vraiment très bien. Mais je ne pense pas le perdre. Après à tout moment je me trompe hein, mais... Ça me dit rien. Ah stylé. Ah!
Au niveau de son ivoire, c'est dans 3 attaques. Donc du coup, on peut faire ça. Et encore une fois. Et je m'enfuis. Tu envoies un MP sur un autre perso de ton compte, ça marche. Ah, ça veut dire que c'est